mais vous fixant comme un gros jourson, peut parfois faire fuir les créatures des moins connes. Faites chevaucher vos brins. Yeah!
Saccager la cible.
Il s'en prend à moi. Allez. Les démons m'ont eu. Tu as ruiné ma veille de solstice. Nous verrons bien ce qu'en pense l'empereur Solarius. Marius, mon frère, d'où est-ce que tu viens si soudainement? L'empereur Solarius s'inquiète beaucoup, frère, car tu as permis à une espèce de barbare magique de brutalement dévaster Nordberg. La situation est totalement sous contrôle, Marius. Mes hommes sont en train de chercher la source. Eh bien, j'espère vraiment. Tu as été envoyé ici pour faire tes preuves en tant que gouverneur. Alors montre que tu as des tripes sous toute cette graisse. Il en a pas. Ce n'est rien que du gras. Réussi, maître. Il est temps de montrer à Nordberg qu'un nouveau mal dirige cette ville. Fracasser la statue de ce gros plein de soupe et montrer à ses paysans ce que vaut un Overlord. Trouvez ça imposant? En prenant courir, courir! Mais ça du tout.
Broyez-le! Broyez-le! C'est presque l'heure de mon bain de midi. Je pensais que tu pouvais gouverner une petite ville. C'est ma ville, et je ne veux pas accueillir de démons. Ce que tu veux dire, Ornus. C'est toi, parce que tu savais que Solarius me préférait. Gros débile. Pas étonnant que maman soit partie. Ne parle pas de maman. Ça y est, je ne te parle plus. Tant mieux. Tant mieux. Sorcier ? C'est vraiment toi ? Tu es revenu ? Sors-moi d'ici avant qu'il me force encore à le frotter. Courir ! Courir ! Allez ! Allez ! Courir ! Courir ! Allez, allez. Bon loup.
Tu... Tu as insulté l'empereur et ma famille! Cela ne sera pas sans conséquence. Crois-moi sur parole. Quand on voit que l'Empire condamne la magie, qui s'en avait l'air drôlement magique. Sors-moi d'ici, esclave! Sors-moi tout de suite d'ici et... Pas question! Même tes bourrelets ont des bourrelets, Berk! Qu'allez-vous faire de cette boule de lard maintenant, seigneur? Rêver de voir des pays qui ne sont pas couverts de neige. Et maintenant, si nous refaisions connaissance. Parfait. On peut prendre ses chaussures. Bah, une fois, j'ai été écrasé par une grosse statue. À la grande époque. Enfin, pas complètement écrasé. Vous possédez une tour noire digne de vous, maître. Alors c'est chez toi, ici. C'est déjà mieux que Nordberg. Au moins, il fait chaud. Mais ça, c'est bizarre, quand même. Qu'est-ce que c'est? Une vieille noix avec des oreilles? Vous et votre maîtresse devriez visiter vos quartiers privés. Génial! Je vais pouvoir accrocher mes peaux de bête et mes trophées de chasse. Je te retrouverai là-haut, petit sorcier. En matière de femmes, croyez-moi, il vaut mieux les rendre heureuses. Je vous suggère d'utiliser votre or pour acheter de splendides babioles et décorer vos quartiers privés. Les femmes adorent les babioles. Et personne n'aime revenir d'une dure journée de destruction pour affronter une maîtresse en colère. Ça fait vraiment plaisir de voir les larbins combattre et... Salut, petit sorcier. Viens voir ce que j'ai fait de cet endroit. J'ai mis tes petits amis à contribution. Ils sont costauds et semblent capables de se déplacer et réfléchir en même temps. Ce qui est hors de portée d'un Nordberguien moyen. Ça commence à ressembler à quelque chose ici. Il faut que ça évoque un overlord maléfique, pas un troll famélique. Mais il reste encore beaucoup à faire. J'ai pensé à des améliorations, mais il faudra dépenser un peu. Un lit serait un bon début. Je me sentirais plus... détendue. Tu ne ronfles pas, j'espère. Rien de tel qu'un peu de magie, seigneur. Ils vont détaler. Cherchez bien les catalyseurs, seigneur. Pour des artefacts aussi grands, ils ont tendance à se perdre facilement.
pensé que tu avais bon. C'est parfait pour moi. Je sais... Je savais que tu viendrais. Nous servons votre maîtresse. Je ne sais que broder, maître. Ne vous occupez pas de moi. Absorbeur de larbin. Seigneur a fait preuve d'impiété. Il a possédé un larbin. Heureusement qu'il a bien tout arrêté avant la fin. Maître. Choisir ce que Rognon va forger, maître. Essayez de ne pas vous perdre dans les abysses infernaux, Seigneur. Ce serait mieux pour tout le monde. L'Empire est redoutable, Seigneur. Mais tout le monde a un point faible.
Je vous demande pardon, Seigneur, mais j'ai des nouvelles importantes. Il y a des fauteurs de troubles à Nordberg. Ils veulent piller les stocks de vivres de la ville et embarquer vers Adnord, à bord d'un de nos... d'un de vos bateaux. Et vous pensez qu'il vous serait éventuellement possible de me prêter maîtresse Calda ? Les nuits de Nordberg sont froides et solitaires, vous savez. Excellent, Seigneur. Et pour maîtresse Calda ? Vite, Seigneur, embarquons pour retrouver les autres tribus de l'Arbin. Adieu, Nordberg !